Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total War Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur Blood Bowl 2 avec mon équipe du chaos, les élus des dieux, pour la Croque de France. Donc mon adversaire du jour, mon adversaire du moment, c'était un joueur vampire 3-9 Blood avec le coach Oshin. Donc voilà un peu l'équipe adverse. Il y avait en tout, je crois, 7 serviteurs, donc les petits là, et les 5 vampires, donc vous reconnaissez à ceux qui ont l'armure et la cape, etc. Du coup, mon adversaire avait obtenu le toss, et c'est à lui d'attaquer. Regardez bien les serviteurs, profitez-en pour prendre des selfies, car ils ne vont pas tarder à rejoindre l'infirmerie sous perfusion. Alors, on va dépasser. Alors, étant donné que je défendais, je me suis dit, je vais mettre 3 hommes bêtes en première ligne. J'ai mis mes 2 hommes bêtes avec esquive pour qu'ils aient un petit peu plus de chance de résister. Et un homme bête sans compétence hein, pour éviter de perdre un précieux guerrier ou un homme bête qui est déjà un peu expérimenté. En arrière, j'avais mis mon botteur, mon ronga avec 3 bras au cas où. Là, au milieu, j'avais mis mes 4 guerriers du chaos, dont 2 avec bloc, enfin 3 avec bloc, 1 bloc tacle. Bloc griffe, toujours utile contre les grosses armures. Bloc et un de mouvement. Et mon guerrier sans compétent. Après j'avais mis un homme bête ici avec tac pour compenser sur ce côté droit. Et là j'avais mis mon blitzer Tamulga. Bloc, châtaigne qui aura dès que possible griffe. Pour être une machine à tuer assez efficace. Donc voilà. Et mon adversaire devait placer 5 serviteurs, 3 au centre, 1 sur chaque côté et 2 vampires. Sur ces 5, mon adversaire avait 5 vampires. Parmi eux, il y avait, je crois, 1, 2, 3 bludgers, donc bloc et esquive, donc assez compliqué à négocier sans tact. Un vampire avec esquive et un de mouvement, donc pour aller plus vite, c'est plutôt pratique. Et un autre sans compétence, hein, qui devait juste marquer un TD pour passer niveau 2. Au niveau 2. Sinon, au niveau de ses serviteurs, il avait quoi? Il avait un serviteur avec bloc. Un serviteur botteur et avec chef, donc ce qui lui accordait une relance supplémentaire. Donc, mon adversaire avait bien 5 relances en tout, donc 4 plus 1. Et je crois que c'est tout, donc c'est parti. Le coup d'envoi va être donné. Alors en fait, je me suis complètement planté dans le... Il a mis 3, on va passer. Ah oh. Voilà, donc là c'est le coup d'envoi. Donc là j'avais frappe précise, c'était pratique pour mettre le ballon là où je voulais. Donc il va avoir la casse, le ballon qui va être dévié. Donc je l'avais. Normalement il devait aller là-bas, il va là, mais bon, c'est comme ça. Il a le ballon rapidement, 2 plus, 4 d'agilité, un vampire. Alors là mon but dans ce match était de foutre en l'air l'équipe de mon adversaire en cassant ses fioles. Parce que les vampires sont sujets à une compétence qui est soif de sang. Donc sur un 2 plus ils réussissent leur action, sinon ils doivent mordre un coéquipier. Et s'il n'y a pas de coéquipier dans les parages, ils vont sur le banc. Donc là ça commence. Allez, les serviteurs qui tapent mes hommes bêtes en première ligne. Bon, avec Tigor qui résiste bien hier avec l'esquive. Ah, première soif de sang. Donc là il vient porter un soutien. Donc là il va mordre son co. Il va faire un regard hypnotique pour tenter de rendre mon joueur inutile. Mais c'est raté. Et première soif de sang de mon adversaire, tour 1. Bon appétit bien sûr. C'est un sonné. Donc en gros, là c'était plutôt avantageux. Et là il va me blitzer mon tacleur pour essayer de passer. Je me dis que j'aurais peut-être dû le reculer un peu. L'armure qui passe, c'est un sonné. Cri de miso sonné, out. Il se replie derrière, ce qui est logique. Deuxième soif de son tour 1. Celui avec plus 1 de mouvement qui plus est. Allez hop. Deuxième sonné. Et là, hop, le pot avec point d'exclamation, donc esquive, ça passe. On a sur le côté gauche, enfin, sur le côté gauche, donc là, il va passer un vampire pour me tenter de me contourner. Donc là, je vais renforcer ma ligne. Là, je rapproche mon botteur et je ramène. Et je voulais, ah bah là, j'ai blitzé, j'ai pas compris pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave. J'aurais peut-être dû utiliser mon griffeur pour aller s'occuper de lui.
Et surtout qu'il avait des compétences ou pas celui-là? Je me souviens même plus. Ouais, bloc et esquive, ok. Donc là, je ramène mes gars pour renforcer la première ligne. Là, je vais essayer de mettre la pression sur le porteur. Je ramène aussi un deuxième gars du chaos pour bloquer ce vampire et essayer de l'empêcher de s'échapper. Donc là, je lui propose juste ce serviteur. Là, c'est un dé, ça passe. C'est l'arracheur de ballon. Je ne suis pas. Tour 2. Donc là, il va mettre son serviteur ici. Là, il va me taper mon homme bête avec esquive. Il fait un pot. C'est un sonné. L'armure passe. Donc là, il réussit son esquive. Même s'il a dû relancer. Donc là, s'il avait fait double 1, c'était turnover déjà. Donc là, il va blitzer son, avec son vampire, un de mes hommes bêtes ici. Ah non, il blitz mon gars du chaos, ok. Donc là, il poursuit pas. Là, il fait un autre pot sur mon homme bête avec esquive. Du coup, lui, il va commencer à faire le tour. Il fait un regard hypnotique qui fonctionne. Il est ce vampire esquive, il a réussi en même temps 4 d'agi. Je relève mon homme bête avec tac, je me dis je vais essayer de mettre la pression. Et comme je pouvais pas avancer de beaucoup. Et avec ces deux là, je vais continuer de traquer ce vampire là pour essayer de le bloquer. Je ramène mon homme bête à 3 bras ici. Je décide de blitzer avec mon tacleur ce bludger. Ça passe, un pot. L'armure passe, c'est un sonné. Comme ça, je pouvais essayer de mettre la pression sur lui, mais bon. Et ramener un autre guerrier du chaos pour le forcer à revenir par ici. Là, je mets hop, deux guerriers là-dessus. Un guerrier non bête ici. Par contre, 5 vampires, c'est compliqué à gérer. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Là, je tente un dé qui passe, pas une première fois, donc je relance. Je le poursuis. Allez, un pot sur Tigor. Ça passe. Allez, deuxième saut. Allez hop, à terre aussi. Il pousse. Du coup, j'ai plus personne pour être en contact du vampire. Là, il fait la transmission à son collègue. Donc, de plus, ça passe. Hein. Lui, il me refait le même coup. Ah bah. Mais il se ramasse, donc il skiffe qu'il avance. Mais est-ce que le chef va repasser? Double 6, voilà. Soif de sang qui passe. Il fait la passe. La passe échoue, heureusement pour moi. C'est un turnover. Et là, j'aurais peut-être dû relever mes joueurs au lieu de taper celui-là. Donc là, je relève tout le monde après. Là, je décide de taper avec mon gars du chaos comme j'ai bloc. Et lui aussi. Allez hop, une baffe dans ta gueule, Ivan l'esclave blessé. Parce qu'une commotion il le relève pas, il aurait peut-être pu le soigner mais il l'a pas fait, comme il avait bloc. Mais bon, c'est un choix, il a encore un serviteur en réserve. Moi j'ai encore un joueur de réserve aussi. Et enfin, hop là c'est bon. Ce vampire là il est à terre. Là avec mon botteur je vais essayer de me ramener ici. Et là je tente le tout pour le tout pour aller essayer de me mettre près du ballon. Mais un GFI, deux GFI. Donc c'est compliqué, un qui rate. C'est turnover. Hop, esquive qui réussit. Mon adversaire qui va marquer le touchdown en récupérant simplement la balle. Je suis mené à 0 tour 4.
contre Ivan Ostrich qui marque. Ostrich, pardon, qui marque. Le match a démarré sur les chapeaux de roue. J'en connais qui ferait bien de se réveiller. Donc là, on va vite passer hop, le coup d'envoi. Hop, je me suis mis de maille arrière assez agressive pour bâcher un peu son équipe, histoire d'avoir le dessus. Donc là, j'ai un coup d'envoi qui me permet d'avancer tous mes joueurs d'une case. Donc, ce qui fait que je rapproche mon esquiveur et mon 3 bras en plus pour protéger le ballon. Voilà, le ballon il va atterrir ici. Là, je commence à distribuer des baffes au centre avec mon gars du chaos. J'aurais peut-être dû le mettre dans les pattes de mon gars du chaos pour qu'il lui en distribue une claque ou deux. Là, je fais que des poussées, j'arrive pas à blesser ce tour-ci, c'est assez compliqué. Quand les dés sont pas là, c'est. Voilà. Là, je fais un pot sur un 2 d'agilité. Est-ce que l'armure qui craque et que c'est un KO. Là, je rapproche mon homme bête botteur pour essayer de virer son vampire rectacle. Double crâne. Rien. Ce tour 4 est assez compliqué niveau GVD. Là, avec mes deux bras, je ramène tout de suite mon homme bête. Et Tigor, mon esquiveur, en soutien. Là, je décide d'essayer de former une cage, mais bon. Sachant que les vampires, leur garde optique, c'est une de leurs forces. Et là, je replie mon guerrier du chaos. Son tour 5, donc il va commencer à mettre de la pression pour marquer ma cage et faire du dégât. Le regard hypnotique qui réussit sur le guerrier du chaos. Une soif de sang pour le vampire qui est en retrait. Hop, un GFI qui loupe. Ah ouais, deuxième GFI qui loupe. Du coup, il refait une soif de sang. Et il y va. Turnover. Comme le vampire est dans le public, je me dis j'ai une occasion à jouer. Encore des poussées, j'arrête pas d'en faire. J'ai vraiment pas de bol sur les blessés de blessure. À ce moment du match, bien sûr. Là, j'ai 2 dés, je me dis il y a peut-être moyen de le sortir, mais toujours des poussées encore. Là, je vais essayer de m'acharner sur ce serviteur. Ça passe, enfin. Hop, à terre. Un autre poussé. Comme ça, je marque le deuxième serviteur, ici. Le botteur, je le ramène ici. Mon porteur de balle à 3 bras, je le mets là. Et là, je me dis, je vais tenter de foutre en l'air un serviteur. Il y a peut-être moyen... Il est à terre, mais pas de blessure. Et je marque cet autre serviteur. Sachant que là, je devais faire attention avec ces deux vampires et qu'esquive. Et un bludger parmi eux, sinon c'est pas drôle. Là, tour 6 de mon adversaire, ça va vite. J'avais plus qu'une relance à ce moment du match. Et lui, il avait encore 3 relances. Tente un regard hypnotique qui rate. Et il utilise une relance qui rate donc. Il doit faire 3 plus, il fait à chaque fois 2. Mon guerrier du chaos, il va finir un petit peu par terre. Il le poursuit. Et c'est en plus, je crois que c'est son arracheur de bras. Ah, une soif de sang. Hop, un hypnotisme qui fonctionne sur mon homme bête. Nouvelle soif de sang. Ça va être bon, ça. Un petit sonnet. Il tente de blitzer. Il va blitzer mon porteur de balle. Ça passe, vu qu'il la bloque. Mais c'est mon gars du chaos qui récupère sur un 5+. Avec 6, s'il vous plaît. Hop, il tente une esquive, il se loupe. Et comme il a plus de relance... Enfin, il a utilisé sa relance ce tour-ci, il peut plus. Et là, c'est un KO sur l'esquive, c'est bien. Et là, je me dis que j'ai peut-être un boulevard ouvert vers la droite. Mais bon, faut que j'arrive à contrer ces vampires.
là je décide de relever mon guerrier du chaos, mais je pense que c'était pas la bonne. C'était peut-être une bonne solution, mais pas de blitzer. Là je décide de ramener un homme bête pour essayer de taper ce serviteur. Hop, à terre mais pas de blessure. Là je tente une esquive pour essayer de transmettre à mon Ascari du Kaola. Une 3-3 plus qui ne passe pas, je décide de relancer, j'ai plus de relance. Et ça passe pas. Les 3 plus n'étaient pas à la fête. Hein. Et le ballon qui a tiré au milieu de mes joueurs et des vampires. Et là ça commence à taper. Les deux botteurs qui se tapent entre eux. Donc le serviteur qui me couche mon botteur. Une soif de sang. Qui réussit un rocard hypnotique à 4+. Hop. L'adversaire il fait 3-4 soifs de sang je crois depuis le début de match. Et c'est une blessure sur un de ses serviteurs. C'est son botteur et son chef en plus, ça tombe mal. Donc là il va utiliser son apothicaire, ce qui est logique, pour essayer d'avoir toujours 5 relances en seconde mi-temps. Et là il se loupe en ramassant à 2+, là il fait un 1. Là il réussit et il se sauve. Et il va lui faire la passe. Et là je me dis que j'avais peut-être déjà perdu le match à ce moment-là. Mais heureusement mon adversaire fait une soif de sang qui m'arrange. Il décide de mettre le plus loin possible le ballon. Et la soif de sang qui l'en ramène dans le public. Donc ça fait qu'il avait déjà deux vampires dehors quand même. Turnover du coup. Donc là je ramène mon guerrier du chaos pour marquer ce vampire. Ici je fais un pot, comme j'avais tacle en plus ça m'a arrangé. Le vampire est à terre. Mon deuxième guerrier du chaos qui va marquer ce vampire. Et avec mon homme bête avec tac, je me dis je vais peut-être tenter de le blitzer. Je fais un pot avec exclamation et ça passe. Du coup, il pourra pas aller récupérer le ballon ce tour-ci. Et il pourra pas marquer, quoi. Et là, je me dis, je vais tenter un truc. J'ai rien à perdre. Je vais tenter de piétiner ce vampire à 7 de mouvement. Si je peux le mettre dehors, ça serait l'idéal. C'est une blessure. Main écrasée, mais il met, je crois qu'il régénère. Ouais. Saleté de régénération. En plus, mon joueur est expulsé, mais bon. Je me le suis permis comme j'avais un remplaçant. Mais là au moins il pouvait plus marquer, j'étais assuré. Donc là il va me blitzer mon guerrier du chaos avec son vampire. Ok. Il se retire pour éviter le contact, ce qui est logique. Parce qu'avec 3 vampires dans le remplacement, je peux comprendre. Là il va éloigner tous ses vampires, là il s'en fout. Il me pousse. Il me suit pas ici. Donc là c'est mon dernier tour. Je relève tous mes joueurs. Et là je me dis je vais blitzer avec ma châtaigne et mon bloqueur. Je touche. Sonner. Hop. Bon, au moins lui, Tamulgar aura fait un peu de dégâts dans le match, mais bon, c'était vraiment passé. Là, je me dis, je vais tenter de ramasser le ballon. Enfin, rapprocher des gens près du ballon pour le garder, mais bon, comme c'était le dernier tour. Et là, je tente à ramasser un GFI pour ramasser le ballon. Bien sûr, GFI qui rate. Et c'est la fin de la première mi-temps. Il y a un chaos qui se relève, ok. Donc là j'ai un avantage de 1 je crois. Non mais il doit avoir 10 joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là j'ai un avantage de plus 1, mais bon, niveau force c'est un peu lui qui a le dessus. Le vampire du fait qu'il y en a. Qu'il a 5 joueurs force 4 alors que moi j'en ai 4. Même si mes embêtes quand ils blitz, bah ça fait force 4, mais c'est que en cas de blitz. Frappe précise du moteur adverse. Et il gagne une relance. Donc là il a 6 relances.
Il est un peu tranquille de ce côté-là. Alors moi je mets cet homme bête là pour sécuriser le ballon. Je décide ensuite de taper. Avec mon gars Lucao qui n'a pas d'expérience, je poursuis. Là ça touche. Une à terre mais c'est pas de blessure. Hop. J'essaie de rapprocher mes joueurs d'un des vampires. Et là je bite ça avec mon tacleur pour essayer de le faire tomber. Je fais un pot. Là je mets mon gars du chaos en protection pour le ballon. Et ramasser avec la basse queue qui est mon ramasseur officiel. Sa mutation ? De toute façon, j'avais fait un 5+, donc si j'avais pas eu la mutation, ça passait quand même, quoi. Et là, je ramène Tamulgor au centre pour essayer de taper un peu là où c'est possible. De toute façon, Tamulgor, je pense que j'en ferai mon blitzer officiel quand il aura griffé écrasement. Ça va être pas mal. Regarde Hypnotique qui passe, 4+, 6+. Donc lui, il a plus besoin de s'en soucier. Allez, hop, deuxième Hypnotisme qui passe. Du coup, son serviteur, il va pouvoir mettre la pression. Il va devoir faire un GFI qui réussit. Et là, il réussit sa soif de sang pour essayer de mettre la pression. Le GFI qui rate. Il décide de relancer. Il relance en moins déjà. Il blisse. Donc là, le ballon qui est en arrière. Ce vampire qui se dirige au centre pour renforcer la ligne. Un hypnotisme à 5+ qui loupe avec un 1. Une esquive à 2+ qui passe sur le côté gauche. Et là il renforce la ligne pour me taper ici à 2D je crois. Bon c'est qu'un poussé par chance. Hop là c'est un pot. C'est un sonné. À la niche la chèvre. Mon tacleur qui est une deuxième fois sonné. Hop, là, je fais un blocage à 2D qui fonctionne. Et là, je me dis, je vais aller tenter de blitzer son vampire. J'ai rien à perdre. Je relance. Je le touche, mais il peut esquiver. Je décide de continuer à le repousser le plus loin possible. Pour que mon troisième bras puisse ramasser et s'enfuir. Donc le 2+, ça passe pile poil. Là, je commence à essayer de foutre en l'air les fioles pour essayer de me faciliter la tâche. C'est un sonné. Pas de blessure encore dans cette seconde mi-temps. J'espère que ça va pas tarder. Et là, je ramène mon homme bête Tronogor pour essayer de bloquer ce vampire. Et ce guerrier ici pour arrêter ce vampire un peu. Donc là, je me mets en position un peu défensive. J'essaie de casser les fioles, mais c'est pas évident. Les 7 d'armure qui tiennent bien. Et là, je fais un crâne. Je peux pas relancer quand j'ai utilisé une relance au tour-ci. Au tour 10. Donc là, il ramène du support, ce qui est logique. Les soifs de sang sur le premier vampire qui passe. Regard hypnotique qui réussit, donc lui pourrait peut-être blitzer. Ou lui. Donc il décide de ramener son serviteur là. Hop, une autre soif de sang qui réussit. Le GFI qui rate par contre. Il décide de craquer notre lance, c'est parti. Le GFI qui ne passe pas. Et c'est un sonné. Là le Nécrark est sonné, donc turnover pour lui. Hop, mon porteur de balle, je me dis je vais le bouger en premier pour le ramener ici et relever mes deux joueurs. Hop là, une fiole qui va peut-être sauter. Mais non, pas de blessure. Ici je décide de blitzer ce serviteur. Comme j'ai bloc et châtaigne.
Et Vision la servi qui meurt grâce à Tom Ulgore. Super. Et là il peut pas utiliser son impôt vu qu'il a déjà utilisé auparavant. Là je me dis deux fioles en moins à ce moment du match, ça devient intéressant. Bon, heureusement cette fiole n'avait pas trop d'expérience, pas de compétences utiles. Là je me dis je vais essayer de coucher le vampire, mais bon ça servait à rien de craquer une relance ici. Et là je fais un pot avec un homme bête sans compétence. Donc là j'ai mis deux joueurs près de la ligne, la zone du terrain, vous voyez ce que je veux dire, pour éviter d'aller faire un ban full. Là il va me blitzer mon porteur de balle, ce qui est logique comme j'ai un trou là. Hop, bloc, ça passe. Bon, mon homme bête qui récupère pas le ballon, mais je me dis là la balle est un peu plus en sécurité comme ça. Il replie son serviteur qu'il avait envoyé en profondeur, enfin qui avait tenté d'envoyer en profondeur. Donc là l'autre vampire il bat, hop, il se barre grâce à sa relance sur l'esquive automatique. Esquive à 6, soif de sang à 6, triple 6 sur ce vampire. Par contre, son esquive à 2+, il la loupe une première fois. Et il la reloupe. Heureusement que le tacleur était dans le coin. Je me dis, j'ai bien fait de le mettre là, celui-là, à ce moment du match. Par contre, il fallait que j'essaie de me débarrasser d'un ou deux joueurs là. Là, il y a une autre fiole ici, par exemple. Une tarte, ça suffit pas. Avec Tom Ulgore, je décide de blitzer cette fiole pour libérer le ballon ou le mettre sur le ballon. Hey, Tom Ulgore qui enchaîne une deuxième blessure en deux tours. Masseur fracassé, ça c'est pas bon pour lui. Du coup, le ballon est un petit peu plus libre. Et là, je me dis, il y a peut-être une fiole à virer en plus, on va le faire. Hop. Du coup, je peux libérer un homme bête. Donc là, je surveille ce vampire. Et là, avec celui-ci, je m'en vais. Je vais essayer de marquer cette fiole pour éviter qu'elle se sauve. Et avec un ramassage avec un homme bête qui a 3 puces, je me suis dit, il y a peut-être moyen d'être un peu tranquille. En plus, c'était mon tacleur. Hop. J'aurais peut-être dû poursuivre. Et là, je me dis, je vais essayer de mettre une défense quand même correcte. Avec un guerrier du chaos en retrait, sait-on jamais. Au tour 12, donc là, je me dis, je suis peut-être sur le point d'égaliser, avoir un avantage substantiel s'il devait y avoir des prolongations. Donc là, il va réussir l'esquive, évidemment. Parce que si... Voilà. Et oh, je récupère le ballon. Et là, il devait bien faire la tête parce que un gars du queue qui récupère un ballon, c'est. Et surtout qu'il a le mouvement avec le. 1, 2, 3. Ah bah. Oh, il loupe son esquive, lui. Donc là, je me dis, il y a peut-être moyen d'égaliser et que mon gars du chaos marque un TD. Donc là, je crame encore une relance, peut-être que je l'aurais pas dû. Hop. Là, je me dis, je vais tenter de virer ce gars du ce serviteur en faisant un bloc. Mais non, ça passe pas. Donc là, je décide de pas bouger davantage. Et là, je suis en train de marquer les autres vampires pour essayer de les tenir un peu en respect. Et là, je vais ramener un homme bête pour marquer ce serviteur. Pigor. Et là-bas, je dis, je vais marquer Zampire. Là, sait-on jamais. Hop, je rapproche du monde. Je me soucie pas de ce vampire, parce que bon, il est peut-être en position pour égaliser, mais bon. Là, comme je suis en position de force, autant en profiter. Bon, là, il me touche sur un pot, c'est un peu logique. Il me poursuit pas. Il me pousse. Il aurait peut-être pas dû... Ah, il y a une soif de sang, où ça? Ah! C'est lui. Ah bah bien. Ah bah bravo. Bravo Nils. Là je me dis je vais tenter de blitzer lui. Peut-être que j'aurais dû blitzer avec mon guerrier partir tout simplement. Mais je fais un pause, donc c'est plutôt cool. Et du coup, Mishneddar est en position pour égaliser. Bon, là je me dis je vais peut-être tenter un petit bash. Donc sachant que voilà, ça passe, je me dis bon, on va tenter pour virer l'arracheur de balles.
dans la zone. Hop, donc il est à terre. Comme ça, je sécurise bien mon égalisation, pardon, avec mon gars du chaos. En plus, qu'il y avait bloc, il y avait plus un mouvement, donc ça pouvait être utile. Je pense que la prochaine compétence que je lui mettrai pour essayer d'être un peu plus agressif, c'est châtaigne direct. Comme j'en ai déjà un avec griffe. De toute façon, tous mes gars du chaos, ils ont peut-être griffe châtaigne. Assez tranchant. Bon, par chance, son KO ne se relève toujours pas. Donc là, je me dis, je vais défendre à mince au maximum. Donc il a encore ses vampires, hein, ses 5 vampires qui sont une belle plaie. Donc là, il va me sortir son armada. Donc là je mets le ballon loin pour essayer de mettre la pression rapidement. Donc je regagne, on gagne tous les deux une relance. Il doit m'en rester une ou deux je crois. Ouais, il m'en reste deux, lui il en reste trois. Donc il va sécuriser le ballon avec sa fiole. Donc du coup il va ramasser le ballon rapidement. Easy peasy. Il n'a plus de mouvement. Il tente une passe. Bon, il a réussi facilement. Donc il envoie un premier vampire en profondeur. J'ai bien fait. Je me suis dit je vais laisser mon tacleur ici. Là il va sécuriser sa progression. Donc là je me dis ça commence à être compliqué. Et son porteur de balle qui fait une soif de sang. Pas de fiole à proximité évidemment. Une deuxième. Ah bah. Hop. Les deux au sol. Blocage. Hop. Joli. Hop, oust. Bon, c'est le moins dangereux des 5, mais bon, ça fait toujours un moins. Mais là, je me dis, je dois rapatrier du monde sur ce flanc-là pour essayer de nettoyer. Et aussi nettoyer le safe fiole si possible. Parce que je pense que là, ça va jouer aux prolongations. Hop, je suis en train de placer mon dispositif. Hop. Les deux au sol, sonner, comme j'ai bloc, ça aide. Pareil ici. Deuxième sonnet. Hop, je ramène un là. Et là, je me dis, je vais blitzer avec mon tacleur. Si je peux le faire tomber, ce serait bien. Je relance. Je le fais tomber. Et là, je me dis, après, je marque derrière. Parfait. Donc là, je ramène un autre homme bête en soutien. Et lui, Tamulgor, je le mets en arrière pour essayer de... d'agir dès que possible. Je ramène tous les renforts disponibles pour stopper cette progression parce que c'est vital si je veux essayer de l'emporter en provocation. Bon, là je fais une mise de paquet, j'avais pas trop le choix. Une deuxième, comme ça je lui fais un couloir assez étroit pour éviter qu'il passe trop facilement. Et hop, l'esquive qui rate. Magnifique, donc il va faire du 4+. 1 puis 2, je me dis c'est bon. Et là, je me dis il y a peut-être moyen de foutre en l'air, foutre ce vampire dehors. Donc là je ramène du monde et essayer de voir s'il se régénère ou pas. Bon là je le pousse, ça me suffit largement. Il se blesse. Mais malheureusement il régénère. La balle qui est au milieu du terrain, mais malheureusement je n'ai démarqué personne. Bon là j'ai décidé de juste sécuriser la balle, c'est tout, je vais pas faire d'agression sur ces fioles à ce tour 16. Sachant que j'ai tenté une seule agression et que j'ai perdu un joueur à cause de ça. Donc là il va essayer de me mettre hors d'état nu à gars du chaos. Celui avec griffe évidemment. Il réussit. Bon après voilà quoi. Donc là il réussit le ballon, il le ramasse. Il crame pas sa relance, c'est plutôt ça. Donc toujours un partout au tour 16. Donc là, on va passer dans la phase de prolongation. Donc, sachant que j'ai toujours mon apothicaire. À ce moment du match, c'est plutôt pas mal. J'ai la supériorité numérique. Je me dis, j'ai mes chances. Mais. Donc là, c'est moi qui ai le toss. Donc je décide de prendre l'attaque comme j'ai la supériorité numérique. Et essayer d'en finir rapidement.
Donc il lui reste 5 et 3, 8 joueurs sur le terrain quand même. Donc là il décide de tirer un peu au maximum ses joueurs pour pas que je lui blesse tout. Avec un retard d'au moins 3 joueurs, je ne vois pas ce que cette équipe pourrait espérer. Va falloir le soigner ce coup de pied. Là il fait son placement vite fait. Bon, moi je place du monde sur la ligne, en avant, en arrière, pour essayer de mettre la pression. Donc là, il botte là, prêt pour essayer de me faire une contre-attaque. Il regagne une relance. Tour 17. Donc là, je commence à essayer de taper sur sa fiole. S'il n'a plus de fiole, je me dis à un moment, il va peut-être même faire quelque chose. Hop, un pot, ça passe. Pas de blessure encore. Ici, je fais un pot, ça passe. La griffe qui sert à rien. Et là, je décide de relancer pour éviter de mettre un turnover. J'ai plus de relance à ce moment du match, c'est assez critique. Et là, je dis, je vais ramasser le ballon. Et hop, je mets un homme bête en soutien. Je commence à former une cage. Donc là, j'ai 5 joueurs qui protègent mon porteur de balle. Et là, je me dis, je vais tenter de mettre Chaos Vampire. Comme j'ai un bloqueur avec tacle, avec un guerrier du chaos, je fais un autre pot. Pas de blessure, toujours pas. Pas de sonner. Je me replie. Alors, mon adversaire autour de cette relève. Soif de sang qui réussit sur ce premier mouvement. Son regard hypnotique qui réussit. Du coup, il peut passer là. Marquer ce deuxième homme bête. Son vampire qui va me blitzer. Mon 3 bras encore. Bon, là, ça va aller au milieu de mes deux joueurs. Je me dis, ça peut aller. Encore une soif de sang qui passe. Une hypnotisation qui réussit. Encore une soif de sang qui réussit. Là, il n'y a eu que du bol. Pas à bas. Si je dis ça, il y a un moment. Hop, il réussit. 3 hypnotismes. Et là, il avait cramé sa relance. Donc là, je décide de réactiver tous mes joueurs. Avec mon tacleur, je me dis, je vais peut-être tenter de virer son vampire là. Ça passe. Donc du coup, j'ai un peu d'air pour mon porteur de balle. Là, je ramène quelqu'un pour sécuriser. Là, je mets ce gars du chaos pour bloquer ce vampire et lui occuper un peu. Là, je réussis à coucher son serviteur. 0 blessure. Ce gars du chaos, je l'ai depuis 7-8 matchs. Il n'arrive même pas à faire un point d'expérience. C'est assez, assez navrant quand même. Donc là, je me dis, je vais pas traîner, je vais aller là-bas. Et là, j'essaie de bloquer au maximum. Là, je tente le 1D qui passe pas. Avec mon botteur. Alors, il tente de redevenir un vampire, il fait déjà une soif de sang. Bon, il a une fiole à côté, donc ça devrait aller. Le regard hypnotique qui échoue. Allez hop, ça peut être sonné, ça m'arrange, ou KO. Ah bah, KO, ça m'arrange bien. À ce moment du match, il lui reste, alors je crois que c'est une fiole qui est sonnée. Deux fioles, pardon, j'ai rien dit. Là, il va tenter de me blitzer, je pense, mon porteur de balle. Évidemment, quand il n'a pas de compétence, ça aide pas. Hop, sonné. Il ramasse le ballon, il se rate. Il relance. Pas. Oh, c'était une situation assez compliquée. Hein. Donc là, je réussis à le coucher avec tacle. Comme ça, je colle celui-là. Là, je décide d'essayer de coucher sa fiole. Ça passe. Un autre KO. Donc là, il se retrouve plus qu'avec normalement une fiole sur le terrain. Je crois que c'est celle-ci.
Donc là, je me dis, je vais tenter de blitzer avec lui sur... pour le coucher. Malheureusement, je n'y arrive pas. J'essaie de l'éloigner au maximum. Et comme ça, je le maintiens avec deux joueurs pour réduire ses risques de m'hypnotiser un joueur. Là, j'ai mon troisième bras qui ramasse. Là, je décide de rapprocher mon gars du Chaos Griffer pour soutenir. Je retente un dé, ça passe pas. J'aurais peut-être pas dû. Parce que là, j'avais deux joueurs qui pouvaient le tenir, voire trois avec celui-là, comme il pouvait tenir les deux, en fonction du placement. Hop, son serviteur est relevé. Ici, ce vampire aussi, qui esquive facilement. Hein. Du 2+, relançable. C'est limite un elfe, quoi. Ah, une soif de sang ici. Donc là, il va aller voir ça. Ah bah non, il a pas sa fiole, là. Hop, mon 3 bras qui est blessé. Bon, là, je me dis que bon, à ce moment du match, ça commence à être compliqué. Si j'ai mon 3 bras au moins, bon, j'utilise mon apothicaire, il n'y a rien de grave, heureusement. Bon, au moins, le ballon est en sécurité, je me dis pour le moment. Tour 20. Je tente un dé, ça passe pas. Avec les guerriers. Troisième AD qui loupe, une chance sur 6. Hop, il réussit l'esquive. Il se met là près de la zone pour ramasser. Donc là, il a. Là, je ne peux rien faire. Là, il fait la soif de sang. Donc là, il va aller boire sa fiole. Qui est la seule fiole qu'il a sur le terrain. Il réussit aussi un regard hypnotique dans la foulée. Hop, sa fiole va être sonnée, je crois. Ouais, donc il est un peu chanceux. Ah, ah bah l'autre, il va faire pareil, je crois. Le pauvre Sony va se reprendre une deuxième morsure. Voilà, le regard hypnotique échoue, heureusement. Oui, en gros, même s'ils sont sonnés, les serviteurs, tant qu'ils sont sur le terrain, bah... Voilà. Encore une esquive qui réussit. Hop, il réussit tout. Et là, je me dis, là, je suis dans le sale drap. Là, je commence à relever tous mes joueurs. Je regarde un petit peu combien de dés là, je suis à moins 2 dés, logiquement. Alors, il est où mon tacleur dans tout ça? Donc là, je me dis, je vais replier mon homme bête là. Pour essayer de faire quelque chose. Là, je décide de marquer ici. Hop, j'essaie de blitzer avec lui pour le foutre en l'air. Du coup, je le remets tout là-haut. Donc là, je me dis, je vais éloigner celui-là. Là, c'est du moins 2D. J'ai la chance que ça passe, mais voilà quoi. Donc là, il va me blitzer. Là, il tente de me blitzer. Il va me blitzer sûrement lui pour éviter qu'il soit hors de portée. Bon, heureusement que c'est un poussé. Donc là, il réussit aussi. C'est soif de sang. Pour le moment, tout passe. Hein. Rien à dire. Il réussit un regard hypnotique sur mon gars du chaos. Et là, il fait une soif de sang. Ça passe quand même. Il fout en l'air mon cogneur. Qui est KO. Normalement, fallait... J'ai eu beaucoup de chance sur ce match. J'ai pas eu trop de problèmes. Mais. C'est un turnover quand même, vu qu'il a fait un sur soif de sang. C'est des vampires qui ont bien résisté lors du match quand même. À 8 d'armure, chapeau quoi. Et là, le tour 22 il va être décisif pour essayer de récupérer le ballon. Donc là, je rapproche mon homme bête avec. mon homme bête avec bot. Et là, j'essaie de contenir ce vampire, mais. Là, je me dis, je vais essayer de blitzer celui-là. Je réussis heureusement, même si comme il n'a pas de compétences. Et là je fonce directement bloquer ce vampire, bon, avec deux joueurs. Trois joueurs. Et je savais même, mon tacleur, je sais même pas où est-ce qu'il est, tu vois.
Ah bah il était là. Dommage que j'avais pas le mouvement parce que j'aurais pu le placer là. Et peut-être le bloquer vraiment pour de bon. Et mon gars avec tacle était trop loin, donc là, c'est le tour 22, ils font se marquer, victoire d'Oshin, de victoire de 1 après prolongation. Voilà. Bon, du coup, je perds le match, hein. Donc du coup, je suis éliminé de la KDF après le premier tour. Du coup, au niveau des stats, je lui ai fait un mort, il a eu 13 armures brisées, 15 ici, j'ai eu une expulsion, il a fait 2 passes. Au niveau des SPP, au niveau de l'expérience, j'ai gagné 14 SPP, ce qui est pas mal, dont 4 sur mon assassin Tamulgor, 7 sur mon guerrier du chaos, je crois. Donc il a fait une blessure et il a pris l'homme du match, et mon marqueur. Et là, évidemment, c'est ces 3 vampires qui ont pris des points. Alors, au niveau des stats, alors j'ai fait peu de 1. J'ai pas joué comme un cinglé non plus, j'ai joué des actions au moment nécessaire. J'ai fait peu de 1, je trouve. Pas mal de 5, de 6 et de 4. Donc là, j'ai plutôt des bons jets là, dans ce secteur. Mon adversaire, lui, a eu beaucoup de 1, 67 quand même. Bon, après, il a fait plus de jets que moi avec toutes ses soifs de sang, ses GFI. Ses 2 jets de génération, ils ont réussi. Ses hypnoses ont pas mal réussi. Il a quand même eu 50. Il a eu sur. Wow, 71, soif de sang, il y en a eu 17 qui ont raté. Quand même un tiers quoi. Enfin, pas un tiers, un quart, quelque chose comme ça. Donc voilà, du coup, je suis limite la Rook de France, donc j'ai pas eu de level up. Donc mon équipe reste la même. Par chance, je n'ai pas de blessure non plus. Donc je me dis que pour le championnat, ça pourrait être pas mal. La SKB. Donc là, j'ai un peu le temps d'ici là. Et on verra ce que ça donne. Bah du coup, avec 1500 TV, je pense que mon équipe elle est bien armée. Il faudra que je récupère des blocs par-ci par-là sur mes joueurs pour être un peu plus compétitif. Et après, le fait que s'il y a des débutants qui se retrouvent dans ma poule et qui vont loin dans la KDF, plus ils iront loin, logiquement, plus ils prendront de niveau. Donc leur valeur d'équipe va monter et j'aurai moins d'adjustements sur la figure pour éviter d'avoir des sorciers sur la figure, des choses comme ça ou des champions. Donc voilà, ceci est la fin de ce match de Super Coupe Ball de France. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire sur le match ou l'ensemble de la vidéo, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage de le faire, pardon. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein de Total Coliseum. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure, les amis. Au revoir.